Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous expliquer comment lancer la charge de lumière instable au puits aveugle. En gros, c'est un quatrième palier de difficulté. Donc on était nombreux à se demander où on pouvait la lancer, hein, puisqu'on l'avait dans notre inventaire. Alors vous pouvez récupérer des charges instables auprès de Praetravenge, ça va vous coûter 35 fragments obscurs, ou sinon vous pouvez en récupérer dans les coffres un petit peu partout, dans des événements, au puits aveugle également. Ça tombe beaucoup plus rarement que les autres paliers, mais en tout cas voilà, vous pouvez également récupérer des charges de lumière instable un petit peu partout dans chaque activité. Il faut savoir que remplir cette charge instable vous permettra également de réussir le rituel de purification qui vous demande d'éliminer n'importe quel fléau du puits en étant un ascendant. Alors par contre, si vous avez ce rituel de purification, n'oubliez pas avant de faire cette activité d'utiliser une teinture de la feuille de renne pour passer en ascendant. Par contre, vous n'avez pas besoin de posséder toute l'armure. Je crois que voilà, il faut juste boire la teinture de la feuille. Il n'y a pas besoin d'armure particulière pour pouvoir réaliser ce contrat-là. Voilà. Donc, comment ça se passe? Dans un premier temps, vous allez lancer tout simplement la charge de palier 3. Alors, celle-là, vous la connaissez. C'est celle qui fait apparaître les 3 boss à la fin. Ces boss-là, tranquillement, vous connaissez, je pense également. Il faut tout simplement tuer les ennemis jaunes, enfin les ennemis oranges, par contre, qui apparaissent en fluorescent. Vous les tuez, ils font apparaître une relique. La relique, vous la prenez, c'est en ayant cette relique que vous possédez donc 15 secondes pour pouvoir baisser le bouclier du boss. Donc là, vous mettez tout ce que vous pouvez, etc. Le boss, une fois que son bouclier est baissé, de toute façon, il ne le récupère plus. Et à ce moment-là, vous pouvez tuer le boss. Donc voilà, il faut faire ça 3 fois. Ça, c'est le palier 3. Une fois que vous avez terminé le palier 3, il va falloir vous dépêcher et vous rendre au milieu du puits. Et vous allez voir que vous allez pouvoir déposer la charge instable. Donc voilà, vous faites comme moi j'ai fait sur l'écran tout simplement. Vous faites carré et vous déposez la charge instable. Par contre là, le niveau de puissance recommandé est de 580. Il va vraiment falloir mettre le paquet et vous allez avoir deux boss qui vont apparaître. Donc cette semaine, il s'agit des boss qui s'appellent Sicaris. Puisque dans les triomphes, on peut voir également qu'il y a plusieurs boss qui peuvent apparaître. Je pense que ça doit changer chaque semaine. Du coup, cette semaine, il s'agit de Sicaris. Alors là, c'est complètement différent. Pour baisser le bouclier du boss, il va falloir tuer les nouveaux ennemis. Alors, c'est des infâmes, je ne sais plus c'est quoi leur nom. C'est les ennemis, vous savez, qui explosent, qui courent et qui explosent. Alors voilà, faut tout simplement les tuer au pied du boss. Dès qu'ils apparaissent, vous les tuez et ça va baisser le bouclier du boss. Par contre, là, gros changement, c'est que le boss peut récupérer son bouclier. Donc, une fois que le bouclier du boss est baissé, tout simplement, là, vous mettez coup d'épaule du titan marteau, vous mettez les munitions lourdes, vous videz également vos supers, etc. Vous mettez le paquet et vous tuez le premier boss. Je vous conseille vraiment de mettre les 9 joueurs qui se concentrent sur le même boss. Une fois que le premier boss est tué, vous allez avoir un petit bonus de temps qui va arriver et du coup, vous allez pouvoir vous charger du deuxième boss. Donc, comme je vous l'ai dit, franchement, c'est une activité qui est très intéressante à faire pour ceux qui sont assez avancés en puissance, puisque ça va vous permettre de looter du stuff supérieur à votre niveau. Moi hier, je pense que j'étais 542 quand je l'ai fait à peu près. J'ai looté jusqu'à 551 si je dis pas de bêtises. Donc vous voyez quand même, c'est assez intéressant. On loot super haut. Donc voilà, je vous conseille fortement de réaliser cette activité. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous laisse tout simplement avec le gameplay des 3 boss qu'on a fait. Puisqu'on l'a fait 3 fois. À chaque fois, on a changé de personnage. Ce qui nous a permis de looter 3 fois sur cette activité. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Les potes, prenez soin de vous. Tchuss. Le boss sur la droite. Et je vais me les prendre dans la gueule. C'est bon là. Tu l'emmènes dans les pétés quand vous êtes. Non, c'est pas bon. C'est des agros, mais j'y arrive plus. Une sprint. Attendez qu'il arrive. Là, c'est bon. C'est bon. Non, il manque un péteux. Il lui manque un peu, il aime pas beaucoup là. Ça va spawn. Oh non, il est sérieux, tu connais, il manque. Non. Putain, en 30 secondes, je vais mort lui. Là il en faudrait d'autres là. Faut en mettre un coup d'épaule hein. Ah ouais mais il est défoncé là. A chaque fois il a un coup de pied. Là maintenant. Coup d'épaule du titan s'il vous plaît. Là il est ému. Il a repris ou quoi? Non. Ah bah tiens je suis passé à niveau. Les super. Go. Non, il y a un péteux derrière, réanimer si vous pouvez en même temps. Mettez-vous dans la faille hein, si besoin. Bien joué. Hop. Putain, il y en a un troisième ou quoi? Non, c'est bon. Non, oh, fais gaffe, les péteux à vos pieds. C'est quoi tous ces péteux à vos pieds? C'est Réa, Yuri. What? J'avais pas vu la fleur. Bah je l'ai dit un peu, putain. T'es un petit, tu chies dans la colle. Elle l'a dit en plus, elle l'a dit. Les bottes, pardon. Oh les bras que j'ai eu.
548 de puissance en plus. 548 le fagnon. Attends, mais je suis dans la vie ou c'est comme. Oh, j'ai le lance-roquette, c'est parfait, mon gars. Oh, oh gros. Ouais, j'ai servi à rien mais j'ai looté. Oh gros, j'ai le roquette. Oh, j'ai le roquette à 551 gros. GG les mecs, GG, GG. Ah non, pas GG. Oh, je suis 545, je suis monté. Besoin d'avaler une fiole, c'est maintenant ou jamais. Je peux la mettre. J'ai mis la charge instable. On peut pas attendre. On peut pas attendre, on peut pas attendre. On fait suite gauche comme tout à l'heure. Let's go, DPS hein! Ah, mais t'es super, là faut y aller, les gars! Y'a pas un barricade de titan? Faut même plus saluer au boss! Merde! Ouais, y'a trop de monde! Wouah, trop cher. Ça a lagué, je suis un compétiteur. Ah bah il a fait bouquet à la fin, bâtard. Il a pu. Ok, venez, venez, allez pas là-bas, revenez en arrière, on va à droite là plutôt. On va à droite plutôt là, non? Oh le monde. Droite là où. Non, mais après, faut pas avancer trop. Là où on est bien là. Là ici, on est bien. Ouais, c'était bien là. Venez là où je suis, mettez une faille. Prenez de protection. Ça, si je pouvais avoir mon super. Je vais juste une faille, c'est de gratter des orbes. T'es rien. Go sur les lots, il a plus la pute. Si, si, là. Il l'a, il l'a. Là, il va plus l'avoir. C'était pas là. Je vais mettre. Ok, oh fuck. Il est mid dive direct. J'ai l'ennemi derrière son pied. Ouais. Encore, encore. Il a repété, ils ont repété les pétos à ses pieds. Ah non, ah, putain. Il a repris. Ouais, j'ai pas de flash, j'ai pas de flash. C'est bon, j'ai pas de non. Si tu viens de ce côté, Uru. Ouais, Uru, faut que tu viennes là. Que là tu les attires vers toi, encore. Ah la lampe, la lampe, la lampe. C'est bon. Non, c'est bon. Ouais. Ah, et les pétés. Là, ils vont encore. Un millimètre. On a un temps, on va. Un millimètre, d'accord. Ouais. C'est bon. Il reste à 5. Ah, c'est good. Go. Ils avaient des lourdes, des super, c'est maintenant. Oui, oui. Ouais, on a mieux réussi que tout à l'heure. Ouais, c'est ça, on était décalé, je sais pas. Merci beaucoup pour ce contrat. Oh, j'ai eu un sniper. J'ai encore eu la même arme. Oh, yes, des bras, c'est ce qu'il me fallait. Ah, moi, ça se fout de ma gueule, là, je te jure. Oh, merci, moi, c'est pire que du foutage de gueule. Avec plaisir, frérot. 543, ouais, vas-y, je supprime quand même. Ouais, mais regarde la paire qu'il a, le sniper. Vous voulez que je la mette ou pas la charge? Je la mets. Vas-y, mettez-la. Attends, c'est là, c'est là. Ah, c'est là. Oui, on peut pas mettre deux. Ok, nickel. On fait celui de gauche comme tout à l'heure? Du coup, on a même pas une coffre. Non, le coffre, on l'a après. Non, normalement, il y a un coffre pour le panier de froid. Wouah. Parce que j'ai pas mis la faille. Il a perdu la moitié de son bouclier. Go DPS. C'est bon, j'ai mis le coup d'épaule. Non. Oh quelle tristesse, quel dommage. Ouais, hey, Juju, comme tu fais rien, préviens-nous quand il y a des pétos qui arrivent par derrière. D'accord, je regarde derrière. Oh les lampes. Oh putain. C'est bon, go go go. Les lampes c'est grave relou. Wouah, c'est chaud là. C'est trop bien le super de leur score aussi. On revient en arrière les gars, on se met là. Oh, ouais. Non. Ouais ouais.
Il me faudrait mon super. Pour tuer les mobs à droite là. Oh, wow, il peut tout carrément. Putain, ils ont tout spawn, la lampe elle a tout niqué. Ouais, grave. Oh, là c'était bon. Il a presque plein. T'es deux à l'arrière. On peut le dépasse, on peut le dépasse. Ah, ils nous prévient au moment où ils sont sur nous. La star qui s'était caché, Picard. Oh merde. J'en retiens deux. Sur 4. Il est en non. Bon encore. C'est bon. Bien joué. J'ai pas tiré. Ah. Vous voyez que vous pouvez le faire vite. Oh, j'ai oublié de me mettre en... Oh non. Non, bah j'ai fini mon contrat. Ouais, tu sais quoi, je le ferai la semaine prochaine. Le même sniper. Je le ferai la semaine prochaine, mais mettons en instable. C'est que j'ai le même sniper, les mêmes perks. Non, t'as pas mis la fiole. Non, j'ai oublié, c'est pas grave, je le mettrai la semaine prochaine. Ah, il vient juste de partir, j'avais encore la fiole de tout à l'heure. Putain, je viens d'en avoir deux. Putain, ça loupe bien. GG, les mecs. GG, tout le monde.